Yeah, bien le bonjour tout le monde, non, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais présenter Debian Facile, DF, Debian Facile en version 10.5.1 qui est à ce jour la dernière version disponible. Pourquoi je vais en parler? Tout simplement, je vais être franc, parce que donc comme vous devez le savoir, et si vous ne le savez pas, eh bien vous allez le savoir. Mubuntu, Debian Facile, Blabla Linux, tugalère.com. Tu galères, non, je galère pas. Enfin, tugalère.com et d'autres se sont associés durant cette année 2020 pour une campagne de réemploi. Voilà. Et donc, comme Debian Facile fait partie du groupe, si je puis dire, je me suis dit, pourquoi ne pas présenter cette chère distribution? Et je vais être franc, que j'ai toujours apprécié. Voilà, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une distribution que j'ai toujours appréciée. Ça arrive souvent, ça, il y a des distributions comme ça que j'apprécie, et pourtant je n'en parle guère. Mais je l'ai toujours apprécié. D'ailleurs, il y a plusieurs années de cela, j'ai été un utilisateur de la distribution Andy Linux. Andy Linux est la distribution précurseur, on va dire, donc de Debian Facile. Ok, si vous ne le savez pas, qui est, on va dire, président de l'association Debian Facile, c'est Arnaud, dit Arpinux, et Arnaud dit Arpinux, donc développe la Debian Facile, hein, la DF, et était également le développeur de la Andy Linux. Voilà. Et pourquoi je vais la présenter également, après j'arrête de blablater? Tout simplement parce que Adrien D, il y a de cela plusieurs semaines, l'a présenté et a eu quelques petits soucis avec, notamment parce qu'il avait procédé à une installation de type EFI. Et pas de bol, en mode EFI, ça n'a pas passé. C'était rien de grave, c'est tout simplement que l'ISO de Debian Facile disponible ne possédait pas encore les dernières mises à jour de la distribution mère Debian. Et donc, ça coinçait au niveau d'une installation de type EFI. Alors, je me demande si en tant que créateur de vidéos, quand on tombe sur un problème comme cela, mais il ne serait pas de notre devoir de dire « Oh, stop, vu qu'il y a ce problème-là, je ne la présente pas, je mets la présentation en attente, je fais part du souci au développeur, il le corrige et puis j'en parle. » Tout simplement pourquoi? Parce que je suis tombé sur certains commentaires et c'est là, on voyait bien que certains utilisateurs n'ont pas une analyse assez pointue. Ils jugent vite et critiquent vite. Oh, cette distribution ne peut même pas s'installer en mode UEFI, donc on la catalogue, elle n'en vaut pas la peine. Or que vous allez voir, le souci, c'est rien du tout. Vous allez voir que cette distribution vaut la peine. Alors, ce qu'on entend parfois dire également, oui, Debian Facile, je vois pas ce qu'elle propose de plus, parce que ce n'est jamais qu'une Debian. Eh bien oui, mais c'est justement le but, c'est de ne pas dénaturer la Debian. C'est une Debian. Et on va voir ce qu'elle apporte, cette Debian Facile, justement, pour un peu se démarquer. Ok, eh bien on va y aller et vous vous doutez bien, on va procéder à une installation de type UEFI, même si oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, cette image ISO, je l'ai reçue, on va dire, bien avant les autres, en avant-première, puisque ben régulièrement je parle à Arnaud d'Arpinux, hein, via le GitLab de Mubuntu.
pour notre projet de réemploi et il m'avait proposé d'obtenir en avant-première cette image ISO pour pouvoir donner mon avis et la présenter. Manque de bol, j'ai eu très peu de temps, je n'ai pas su la présenter, on va dire, en avant-première. Je suis en retard, mais, lorsque j'ai réalisé la vidéo installation en moins de 2 minutes et que j'avais utilisé une Debian facile, c'était cette version de Debian facile, donc la Debian facile 10.5.1, et dans la vidéo, j'ai réalisé une installation de type UEFI, et ça passe quand même, donc sur du vrai matériel. Ok ? Alors, première chose, je me rends sur mon disque data ISO, on peut voir donc l'ISO de l'ADF, donc Debian Facile, version 10.5.1, architecture 64 points de cet ISO, moins de 2 gigas, 1,9 gigas pour être plus précis. Comme ça, vous connaissez le poids de cette image ISO. Voici la machine virtuelle que j'ai créée. Si je me rends dans les settings, options, avancées, on peut voir que je veux procéder à une installation de type UEFI. Eh bien, en avant. Voilà. Tester Debian 10, tester Debian 10 en mode sans échec, installation semi-automatique sur tout le disque, installation simplifiée, installation en mode expert. Non, je veux tester Debian 10. Ok. Donc directement, je ferme Bienvenue sur Debian. Pourquoi ? Je vais lancer l'installateur donc de cette Debian facile qui n'est autre que Calamares, langue français suivant, région Europe, zone Paris, non, ce sera Bruxelles pour moi, donc Bruxelles suivant, langue, donc entrée clavier, pardon, belge, par défaut suivant, je veux effacer le disque, on voit bien que je procède à une installation de type EFI, voilà mon disque actuellement, voilà le disque après. Donc une partition FAT32 de 300 mégas EFI, la partition racine EXT4 de 15,5 gigas et une partition swap de 4,2 gigas, le double de la quantité de RAM octroyée à cette machine virtuelle. Donc j'ai octroyé 2 gigas de RAM. Suivant. Votre nom. Blablateur. Alors, mon identifiant de connexion, ce sera BBL. Le nom de la machine, BBL-DF pour Debian Facile-VM. Le mot de passe du seigneur qui est blabla. Le mot de passe du seigneur qui est blabla. Et alors, bien c'est tout. Suivant. Récapitulatif. Installer. Alors, en attendant que l'installation se passe, je vais avoir extrêmement facile à présenter cette Debian facile. Pourquoi ? Regardez bien. Je me rends sur le site Emabuntu, actualité, et sur le flanc, sur le côté droit de cette page, on retrouve tous ceux qui sont associés, qui soutiennent, on va dire de près quand même, donc Emabuntu. Yovo Togo, Jumlab Orion, Montpellier Libre, donc Montpellier Libre, Association Debian Facile, Blabla Linux, Tu Galères, je galère pas, mais bon, enfin, tugalères.com, je clique. On se rend sur tugalère.com et notre ami de chez tugalère.com a sorti un article Debian facile ou comment rendre facile d'accès l'univers Debian. Je veux lire la suite. Regardez la description de la vidéo. Il y aura ce lien. Allez lire. L'article est vachement bien fichu. Ça, c'est un article. Parce qu'il y a certains articles, souvent, j'écris un article. Ah oui ? On va voir, il y a 5 lignes, pas plus. Non, ça, c'est un article. Ok ? Voilà, j'ai été lire l'article. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui est mentionné dedans.
Voilà, vous irez lire. Ce qui est dans l'article, eh bien, c'est ce que je vais plus ou moins dire au travers de cette vidéo. Allez, installation terminée, on redémarre. J'en profite pour éjecter l'ISO. Je prends un premier snapshot que je nomme Fresh. Install. Voilà, je démarre cette Debian facile en mode EFI. Voilà. Alors, on peut voir que l'icône par défaut attribuée à chaque utilisateur créé, eh bien, représente quoi ? GNU, Tux et l'icône Debian. Pas mal. Blabla. Je valide par entrée au Enter. Directement, on va être accueilli par l'écran Bienvenue sur Debian. On y reviendra. Non, je vais le fermer, on y reviendra après parce que je dois directement faire terminal. Voilà, on va faire un sudo apt update. On rafraîchit les dépôts. Vous voyez, cette Debian facile s'utilise à la façon Ubuntu Mint, donc sudo. Voilà, sudo apt install open VM Tools Desktop. Voilà. Splendide. L'agent VMware est chargé. Tout fonctionne à merveille. Hop là. J'arrête la machine virtuelle. Éteindre. Second snapshot que je nomme Open VM Tools Desktop. Et c'est parti. On démarre pour de bon. Yeah, magnifique. Je me connecte. Alors, directement, comme je l'ai dit, on est accueilli par l'écran Bienvenue sur Debian. Voici l'écran Bienvenue sur Debian. Le point fort de cette Debian facile est sa documentation à foison. C'est ça son point fort. Le but de cette distribution Debian facile est de proposer une Debian non dénaturée avec une documentation énorme en français. Ok, il y a une documentation propre à la distribution des biens faciles et il y a une documentation pour comprendre et appréhender une Debian au sens large. Donc, votre nouveau système est une Debian agrémentée de quelques outils facilitants, mais une Debian avant tout. Vous trouverez en plus d'une Debian classique une suite d'outils pour vous aider dans votre découverte. Le manuel de l'utilisateur. Je clique. Voilà. Ça, c'est le manuel de l'utilisateur. Donc, ce dernier va vous permettre de prendre en main et d'utiliser facilement votre système Debian facile. On peut aller voir. Regardez. Quand je vous dis qu'il y a la documentation est bien fournie, c'est qu'elle est bien fournie. Documentation rédigée entre autres par notre ami Arpinox. Je ne veux pas dire de conneries. Est-ce que c'est lui qui a rédigé ceci? Mais du moins, Arpinox rédige les cahiers du débutant. Petite anecdote, c'est incroyable à quelle vitesse il peut rédiger une page de documentation. C'est lui qui a rédigé la documentation donc écrite au format PDF donc de la clé USB de réemploi, donc Mabuntu. C'est hallucinant. Il s'est proposé, voulez-vous que je rédige une documentation écrite au format PDF? Tout le monde, oh oui, tu peux, oh oui, on avait à peine dit oh oui, voilà, c'est fait. Hallucinant. Donc, on ferme.
Alors, donc c'est mis, hein, le manuel de l'utilisateur. Manuel d'utilisation pour une prise en main immédiate de votre système. Voilà, les cahiers du débutant, un manuel complet adapté aux nouveaux venus dans l'univers Debian GNU Linux. On clique, voilà les fameux cahiers du débutant. Et ce qui est génial, c'est que la distribution Debian Facile et Yamamoto se complètent bien. C'est peut-être pour ça l'association aussi des deux. C'est que Debian Facile bien, propose une Debian, on va dire, classique, non dénaturée, avec un package logiciel, on va dire, de base, juste ce qu'il faut, avec quelques outils, on va les voir. Hein. Voilà, une documentation complète. Tandis que le système Mubuntu, lui, est un système, on va dire, beaucoup plus lourd. Je parle du poids de l'ISO. Le poids de l'ISO est beaucoup plus conséquent. On passe du simple au double. C'est normal. Le package logiciel sur Mubuntu est énorme. La distribution GNU Linux Mubuntu veut proposer le meilleur de ce qui existe au niveau des logiciels libres dans plus ou moins toutes les catégories pour qu'elles puissent être utilisées et répondre à la plupart des utilisateurs. Et en plus, elle peut s'utiliser entre guillemets sans internet. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Voilà les fameux cahiers du débutant. Et les cahiers du débutant, donc, parce que Debian Facile, donc c'est une Debian classique avec l'environnement de bureau XFCE, mais Mubuntu c'est quoi? Mais c'est une Debian avec l'environnement de bureau XFCE. Donc les cahiers du débutant de Debian Facile, eh bien, peuvent répondre également à des soucis que rencontreraient certains utilisateurs de la distribution Mubuntu. Voilà. On peut vite faire un tour, hein. Voilà, c'est vachement bien fiché. C'est expliqué simplement et en français. Vous pouvez vous rendre sur la documentation officielle, hein, Debian. Vous allez voir, on dit toujours, ah, Debian, c'est pas compliqué, c'est pas dur. Allez voir la documentation officielle de Debian. Voilà, il faut quand même avoir un petit bagage technique pour tout comprendre. Ici, non. Le but, c'est de pouvoir expliquer simplement quelque chose pour que cela soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc, je ferme. Voilà. Donc, un menu simplifié présentant les principales applications installées sur votre Debian. Le menu simplifié, je pense qu'il parle du Andy menu. Ah, Andy menu qui était le menu de la Andy Linux. Voilà, c'est un héritage en fait. C'était vraiment un menu simplifié, c'est le cas de le dire. Récent, internet, fichier, bureautique, multimédia, tu es aventurier, eh bien voilà. Tu veux de l'aide, eh bien voilà. Et alors, on peut configurer le Andy menu. On peut y ajouter des applications, en retirer, changer le classement. Oui, hein, je pense, oui. Je ferme et on peut, voilà, on peut demander à ce qu'il se ferme après le lancement d'une application. Ok, alors n'hésitez pas à visiter la page du projet. Un clic et c'est notre ami Firefox qui va se lancer. Voilà, ça c'est la page du projet, donc Debian Facile. On revient sur l'écran. Bienvenue sur Debian. Donc, n'hésitez pas à visiter la page du projet afin de vous inscrire sur le forum Debian Facile. Il y a un forum. Tout est prévu. Forum qui tourne. Hein. On voit qu'il y a des messages. Il y a des réponses apportées. C'est parfait. Si vous désirez donc modifier ce système pour vos besoins personnels ou associatifs, eh bien les sources sont là. Voilà.
Si les sources, tout bon projet libre et open source, ben, fournit ses sources. Et un big up spécial à Péa pour ses magnifiques dessins. Vous avez pu voir des beaux dessins dans la documentation fournie par des biens de facile pour son système. Et bien apparemment, ce serait Péa, entre autres, qui a fait pas mal de dessins. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on avance un peu. Oui, regardez. Panel inférieur, qui est l'unique tableau de bord, ok, qui reprend le menu principal des applications, ok, qui reprend le gestionnaire de fichiers Thunar, qui reprend le navigateur donc web par défaut qui est Firefox, j'y reviendrai plus tard. Extrême droit, on a un appelé DF, et si je clique, c'est génial, ce petit appelé reprend en gros tous les liens qu'on a pu trouver dans l'écran Bienvenue sur ma Debian. Ça reprend le manuel utilisateur, ça reprend les cahiers du débutant, ça reprend donc l'écran de bienvenue. Hein. Ah non, non, à propos de ma Debian, c'est l'utilitaire, j'ai oublié son nom, Ardinfo qui s'ouvre, voilà, et qui nous donne des infos ben, sur notre système. Ok, Debian référence, c'est une documentation. Ah non, voilà, c'est une page HTML qui va nous permettre de nous rendre sur la documentation version HTML, par exemple. Format EPUB. Ouvrir avec, oui, voilà. Alors, hop, je suis où? Je suis là. Format PDF. Quand je vous dis que la doc elle est présente partout, c'est génial. Je ferme. On va faire ceci, ce sera peut-être plus agréable pour vous. View exclusive mode. Et si je clique sur bande découverte à plus, oh ok, ça ferme. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, le wiki des biens de facile et le forum des biens de facile, c'est nouveau Firefox qui s'ouvre sur les pages respectives. Bon, pour ne pas encore revenir sur Firefox, on va se rendre dans Aide. À propos, c'est la version 68.12, architecture 64 bits, Firefox Quantum. Alors, ce qui est génial, c'est que par défaut, il y a juste deux extensions d'installer, mais c'est vraiment les extensions qu'il fallait. C'est HTTPS Everywhere, donc pour passer les pages HTTPS, obligatoirement ou non. Je peux demander à chiffrer toutes les pages. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive sur une page HTTP et qu'il n'y a pas le pendant HTTPS, il va me mettre un avertissement et me dire, oula, et attention, hein, vous pouvez y aller, mais à vos risques et périls. Exemple, regardez bien. C'est parce que j'ai ce bloc-là en tête, je vais faire Frédéric Béziès. Je ne sais pas si je le dis bien. Voilà, je me rends sur son bloc. Il n'y a pas de souci, j'y vais. J'y vais, je suis en HTTP. Pas en HTTPS. Ok. Maintenant, j'active HTTPS Everywhere. Je lui dis, je vais aller sur le blog de notre ami Frédéric Béziès. Il essaye de trouver le pendant HTTPS. Il va pas le trouver. Il va me mettre normalement un avertissement en me disant, ok, si tu veux y aller, ben clique là. On va voir s'il le met. Allez. Voilà. Ok. Et là, je m'y rends. Voilà. Et alors, le bloqueur de pub, uBlock Origine. Que demander de plus? Alors, nous avons
Un raccourci vers des biens de facile, enfin favori. L'agenda du libre, pas mal. Et des petits chatons. Service libre en ligne. Ok. Et allez. Donc, c'est une XFCE. Donc, qui dit XFCE dit menu Wishker. Wishker menu. Qui est un peu agencé différemment. La preuve, si je fais ceci, je suis sur Linux Mint, XFCE, menu Wishker. Voilà comment il est agencé par défaut sur la plupart des environnements de bureau XFCE. On peut voir qu'ici, il est agencé différemment. On peut voir le bouton des paramètres et le bouton de déconnexion est placé autrement. Ok. Donc, View, Exclusive Mode. Je vais me rendre directement dans les paramètres. Tiens. Ce sont les paramètres XFCE classiques. Hein. Ok. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de bien nouveau. Par contre, si je me rends dans l'apparence, au niveau du style, on va utiliser le thème Arc. J'adore ce thème et ça tombe bien. Je dis pas que je l'aime comme ça pour faire plaisir. La preuve, si je me rends dans ma Linux Mint, apparence, voilà. Moi, je l'ai placé, évidemment, j'ai fait le fou sur Arc Darker. Voilà. Pas Arc ni Arc Dark, Arc Darker. Et au niveau du thème d'icône, au niveau du thème d'icône, ce sera Numix Circle en l'occurrence. Alors, on aime ou on n'aime pas, moi perso, j'aime bien. Je l'ai utilisé pendant longtemps et c'est un des seuls thèmes d'icônes avec Papyrus, le thème d'icônes que j'utilise sur ma Linux Mint. Ce sont deux thèmes d'icônes vraiment bien étoffés. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez installer, il y aura une icône qui répondra à ce que vous avez installé. Et ce n'est pas toujours le cas. Ok? Donc, normalement, vous devriez avoir eh bien, des icônes en forme de cercle pour tout. Voilà, donc tous les paramètres, sinon c'est du classique. Hein. C'est du classique. Ouais, donc je vais pas m'attarder ici. Au niveau des applications. Tiens, j'ai envie de voir ce qu'on a. Je sais vraiment pas ce qu'on a. Calculatrice, ok, c'est la base. Capture d'écran. Clipman, donc gestionnaire presse-papier. Ok, donc ça c'est la doc. DFL Dispatch. Ah, ça c'est un utilitaire, regardez, tri automatique de fichiers. C'est un petit utilitaire qui va permettre de trier automatiquement vos fichiers selon le type. Je sais pas moi. Type, donc photo, vidéo, musique, document. Ok. Donc l'utilitaire de disque Gnome. Hein, donc Gnome Disk Utility. Je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. Alors, accessoires. Gestionnaire de fichiers Thunar, gestionnaire de tâches, le menu Andy, les cahiers du débutant, donc ça c'est la doc. Ok. Donc gestionnaire, donc utilitaire de recherche, donc le gestionnaire de recherche, 4 fiches. Renommée en masse, ok. Ah, utilitaire de sauvegarde, déjà dup, je pense que c'est lui. Hein. Génial, il est cool. J'ai déjà fait une vidéo dessus, il est très bien. Désolé si je parais un peu rauque, un peu mou. Hein. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai un petit coup de mou sous le paletot, comme on dit, et c'est pas évident. Ok, bureautique. Oh, LibreOffice est de la partie installée complètement. Oui, tous les modules sont installés, tout est bien francisé et on utilise la version 6.1.5 ou 6.2. Oui, on est sur Debian, les enfants, hein? Eh oui, je vais dire les enfants aussi. On est sur Debian, ok? Donc, si on peut reprocher quelque chose à Debian, c'est peut-être la fraîcheur de ses paquets. Moi, perso, ça ne me dérange nullement. Voilà, ça me dérange pas. Je devrais utiliser une Debian. J'utilise une Debian. Voilà. Ça va pas m'ennuyer d'être en retrait par rapport au niveau versionning de paquets par rapport à une Ubuntu ou une Mint. Pas du tout. Ok, on peut lancer. Ça fonctionne. Voilà.
Donc, on continue. Bureautique, on a vu. Éducation, non. Graphisme. Ah, nous avons notre ami Gimp qui est là. Version 2.10. Alors, nous avons Internet, donc c'est Firefox ESR. Nous avons Thunderbird donc comme client mail. Transmission comme client torrent. On peut lancer, hein. Donc voilà. Voilà. Hop là. À propos, version 68.11.0. On continue. Un jeu. Mais ça, les jeux, je m'en fous un peu. Mais il y a des jeux. Multimédia. Ascender. Yeah. VLC. Donc, pour tout ce qui est gestion multimédia, on peut lancer. Hein, Ascender. Voilà. On peut lancer notre ami VLC. Voilà. Et je vois que nous avons Quotlibet. Pour la musique, c'est notre ami Frédéric Bezies qui aime bien ce logiciel. Oui. Alors, XFBurn, donc application donc, de gravure CD DVD, paramètres, système, ok. Mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc ce que je vais faire, alors ça sert à rien que. Attendez. Je vais faire terminal. Alors, je vais faire sudo apt update. On va voir si les mises à jour se passent bien. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Les mises à jour de sécurité s'effectuent automatiquement. Si je me rends dans. Hop, 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 hop. Alors, oui, donc c'est vraiment Debian classique. Hein. Il n'y a pas de dépôt tiers. Hein. Ok. Voilà. Donc. Mise à jour de sécurité, mise à jour recommandée. Donc il y a un check qui s'effectue tous les jours. Et au niveau des mises à jour de sécurité, elles se téléchargent et elles s'installent automatiquement. Vous pouvez modifier hein, ça, mais voilà, c'est le choix qui a été fait et je trouve que c'est un bon choix. Okay? Donc moi je vais effectuer des mises à jour de l'entièreté du système, sudo apt. Upgrade, voilà. Oui, ça va aller vite. Alors, si on veut installer des logiciels, bah, via l'instance terminale, hein. La bonne vieille instance terminale. Sinon, nous avons notre ami, donc Synaptic qui est de la partie. Il fait le taf Synaptic. Oui, bah oui, il y a un verrou. Ok, donc. Désolé, hein. Pousse une gueulante lui. Voilà. Donc Synaptic qui est de la partie, il fait le taf le bon vieux Synaptic. Voilà. Ok. Ou alors nous avons, si je fais logiciel, nous avons le gestionnaire de logiciel Gnome qui est là. Allons faire nos courses. Allez alors. On va aller faire nos courses. Mais écoutez, c'est un sans faute. Il y a tout qui tourne correctement. Téléchargement des métadonnées de Flatpak pour FlatUp. Génial. Pour un système Debian, c'est pas mal, ça, par contre, des packs universels. Eh bien, voilà. Eh bien, nous allons essayer. Nous allons essayer. Je vais faire audio-vidéo. Allez, on va faire. H-top. Ok. H-top est là. Je l'installe. Mot de passe du seigneur qui va bien. Ok. Je vais faire terminal. Qu'est-ce que H-top est là? H-top est là.
C'était VLC. Est-ce que je peux installer via le terminal? Sudo apt install nmoon. Ok. On est bon. On va voir via notre ami Synaptique si tout se passe bien. Donc, gestionnaire de paquet Synaptique. Nous allons faire, je sais pas moi, qu'est-ce que j'installerai bien? Qu'est-ce que j'installerai bien? Ah, soyons fous. Allez. Chromium! Chromium! Bah oui, on est sous Debian, on n'est pas sous Mint. Voilà. Est-ce qu'il va chercher le paquet de traduction? Non. Et si je fais. Je vais peut-être le trouver. Rechercher. Chromium-L. 10N. Ok, le voilà. À appliquer. Et ça va vite. Donc oui, il n'y a aucun problème avec cette Debian facile. Ça tourne très bien. Ça tourne très très bien. J'ai pas dit, donc on a l'appelé DF, ça je voulais préciser. Hein. On a l'appelé donc gestionnaire de réseau, l'appelé gestionnaire d'énergie, l'appelé son. Nous avons l'heure, nous avons le bouton de déconnexion. Et nous avons réduire toutes les fenêtres. Ou les remettre en place. Ok. Allez, nous allons voir. Si je fais Chromium, navigateur web Chromium. Splendide. Ok. Et nous avons également. Ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment cool. On a également donc HTTPS Everywhere et uBlock Origin. Ça c'est vraiment chouette. Et on utilise la version 80. Ah ben regardez, 83.0. Je vais vérifier quelque chose. 83.0. 85.0, deux versions majeures en retard, mais voilà, moi perso, je vous dis, je m'en caille un petit peu, les mirettes, comme on dit. On est bon, maintenant, il y a juste un truc que je voulais quand même tester. Je vais aller chercher de nouveau mon ami, donc Gnome logiciel, pourquoi en fait, préférences de mise à jour. Voilà, mise à jour automatique. Les mises à jour automatiques sont désactivées sur les connexions mobiles ou payantes. Ok. J'essaie quelque chose. OBS. OBS. Attendez, je cherche. OBS Studio. Voilà, ça c'est un. Ok, ça c'est un Flatpak. Attendez. Donc, OBS, viens ici toi. Version 22.0.3 en provenance des dépôts officiels. Hein. Source Debian stable. Ok. Et là, nous avons OBS Studio version 25.0.8. C'est un Flatpak en provenance du dépôt flathub.org. Et c'est ça. Je vais m'y essayer. Allez, on va s'y essayer. On va voir si ça va. Et ce qu'on peut peut-être faire, regardez, on va en profiter. Hein. On va faire ça. On va aller chercher notre ami Nmoon. Nous allons faire un disque réseau. Non. Nous allons faire disque. Raison. Voilà. Waouh. Eh bien, ça a quand même été vite. Ah oui. Ouais. Ça a quand même été vite. Je ferme.
OBS, OBS Studio. Splendide! Yeah, tout est pris en compte, le son et tout. C'est magnifique. À propos, voilà, 25.0.8. Magnifique. Splendide. Que dire de plus? Pas grand-chose. Alors, oui. Zut, je vais faire view. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Si je fais paramètres du bureau, voilà. Regardez, on retrouve les fonds d'écran en D-Linux. Ah oui. Regardez bien, on va s'amuser un peu. Il y en a des beaux. Oui, il y en a des beaux. Il y en a des beaux. Il y en a les plus classiques, hein, voilà. Faire comme ça. Notre ami Gnou. Voilà, les fonds d'écran en D-Linux. Je me rappelle, moi je mettais celui-ci, je pense. Je sais plus. Ouais, il y en a des beaux. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Je vais pas tous les faire. Je les ai presque tous faits. Alors, ça, si vous ne voulez pas, c'est pas mon problème, hein. Icône. On va tout virer. Voilà. Voilà, ça, ce sont deux raccourcis. On vire, on fait déplacer dans la corbeille. Oh, tiens, allez, on va mettre quelque chose de beaucoup plus fun. Ouais. Voilà, ce que je vais faire, parce que regardez, ici je lance. Attendez un peu. Oh, tiens, je vais installer sudo apt install gnome system monitor. Blabla. Oui. Voilà, c'est déjà fait. Moniteur. Ressources. Donc on utilise. On passe le giga. 1,2 giga. Mais attention, si je vais chercher un stop. Ouais, ben je passe le giga, mais de peu. On va utiliser un stop. Ok. Pourtant, j'ai fait beaucoup. Ah ben voilà. Ouais. Donc 1 giga et 20 mégas. Je swap légèrement. Ah tiens, j'ai envie de tester un truc. Donc terminal. Nous allons faire sudo apt dans le clone belge des Mabuntu DE3. Si vous utilisez le clone belge, j'ai installé ZRAM Tools qui fonctionne très bien. Voilà ce qu'on va faire. Regardez, on va redémarrer. On va faire sudo reboot et on va relancer un stop et vérifier que ZRAM Tools est bien rentré en service. Voilà, je me connecte. Faire ceci, il y a un petit bug. Hop là, view exclusive mode. Je vais chercher mon ami le terminal. Je fais htop et nous sommes à 490 mégas. On va dire 500. 500. Je pense que mon ami du site tugalère.com, il m'énerve de dire tu galères alors que je galère pas, mais bon, je galère. Donc de tugalère.com à 10 500 mégas plus que Emabuntu DE3, je pense, mais moins qu'une Ubuntu XFCE 20.04. Voilà. En tout cas, ça va. Ok. Et alors. Comme ça, si je fais
un petit soit pawn-s soit pawn. Ok, voilà. Donc on peut voir que Zram est bien actif. J'ai attribué donc priorité à Zram, ensuite seulement à la partition donc d'échange et 64 mégas par cœur de CPU. Ok. Et on peut voir que je n'utilise rien. On pourrait s'amuser, tiens, regardez. Eh oui, on va s'amuser. Je lance Firefox, gestionnaire de fichiers Thunar. Alors, s'amuser. Je vais chercher GIMP. Je vais chercher Bureautique LibreOffice. Hop, hop. Hop, hop. Je ne sois pas encore. Merde. Bon, allez. Nous allons chercher, je sais pas, moi, visionneuse d'image. Internet, Thunderbird, Internet, Chromium, oh, je swap ou pas? Oui, voilà, je swap. Je swap, ben oui, je swap 82,5 mégas. Et c'est pris, ben voilà, c'est de la compression de RAM. 22, 8, 21, 8, 19, 19. Cool, tout fonctionne très bien. Mama. Voilà, une chouette distribution. Vous vous en doutez bien, je la recommande. Allez, moi je vous dis bye bye. Désolé encore une fois si j'étais un peu voireux qui est un peu mou. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Ça fait quelques jours que je suis un peu, on va dire, abattu. Mais on fait en sorte que ça ne paraisse pas trop. Allez, je vous dis bye bye. Et la prochaine, ah oui. Prochaine vidéo. Comment se créer un clone? Un clone de ce que vous voulez, de votre distribution préférée pour qu'elle soit utilisée avec la clé de réemploi et Mabuntu. Ok, et puis après, il y aura deux petites vidéos bonus. Comment utiliser la clé de réemploi et Mabuntu pour lancer un système live? Comme ça, on lance un système live, on vérifie que tout est fonctionnel et seulement après, hop, on balance le clone. Deuxième vidéo bonus, comment personnaliser le menu grub? Et oui, parce qu'on a travaillé main dans la main avec le développeur du logiciel multisystème et vous allez voir ce qu'on a fait, enfin ce qu'il a fait, c'est tout simplement génial. Allez, bye bye.